Hey yo tout le monde, c'est Kenzo, comment allez-vous? Moi aujourd'hui je vais super bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve non pas en live cette fois, mais plutôt en off. Pourquoi? Bah tout simplement pour vous parler un peu de cette de tout et de rien quoi, surtout de la chaîne, parce que j'ai plusieurs trucs de prévu à vous faire. Donc je pense que qu'il serait bien d'en parler plus précisément, parce que je ne sais pas si à l'heure où je commente la vidéo, au jour où elle sera posée, cette vidéo, je me demande encore si je vous en aurais déjà parlé. Donc à mon avis non, mais je vais vous en parler plus précisément. Ce gameplay, ça va être un gameplay sur mon deuxième compte, mon compte Naruto, mon compte sniper quoi, là où je joue uniquement au snipe. Donc normalement je vous ai déjà proposé des gameplays sur ce compte-là, et donc on va se retrouver sur une MME sur Solar où on va être plutôt mal barré, mais on va réussir quelque chose de good. On va réussir à gagner la partie, sinon je ne vous l'aurais pas proposé. Je ne vous aurais pas proposé ce gameplay si c'était une défaite. Donc pour commencer, certainement à l'heure où je vous uploaderai cette vidéo, nous serons bientôt à la fin ou à la fin de notre let's play en difficulté vétéran sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc j'espère que cette série vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a bien plu. Franchement, attendez, je vais baisser le son parce que du coup je m'entends pas parler. Moi, elle m'a bien plu, j'ai bien aimé cette campagne, elle était vraiment originale sur certains points, pas tous, hein, ça reste un Call of quand même, mine de rien. C'est-à-dire que c'est très linéaire, très scripté, très. C'est très prévisible, mais le personnage est assez attachant, il y a vraiment une progression dans sa vie en fait. Parce que comme vous aurez pu le voir, je sais pas si vous avez fait attention, moi j'ai fait attention, là il y a ta, y a y a oula, y a ta, 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 y a ta. Bon bref, il y a très peu de temps en fait. Donc notre personnage, au tout début de l'histoire, il a ses deux bras, hein, ses deux bras, ses deux jambes. Après la première mission, il perd un bras, justement jusqu'au niveau du coude. Il perd son bras, voire même jusqu'à l'épaule, alors je sais pas trop. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début de l'histoire, il avait les cheveux courts. Et après, au fur et à mesure qu'on progresse dans le temps, il va avoir les cheveux mi-longs. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Après, c'est rien, hein, c'est qu'un petit détail quelconque. Mais voilà, ça fait son truc un peu. Donc voilà. Pour vous parler juste un tout petit peu du gameplay avant de reprendre, c'était une soirée où les quickscopes passaient bien, j'avais un super bon shoot et les hitmarkers, j'en mettais pas beaucoup parce que c'est vrai que réellement, moi, généralement, je mets sur 10 balles, je vais te mettre 6 hitmarkers, quoi. C'est moi et le Morse, on n'est pas copains à la base. Mais là, il a voulu coopérer et du coup, ça a donné une partie vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Donc, pour continuer, donc. C'est vrai que la campagne est assez space, mais c'est pas le soldat quelconque qui va changer à peu près le monde comme ça, comme ça lui est venu. Non, là c'est un peu dans le futur, donc il y a une histoire de robotique, il y a une histoire d'informatique, il y a une histoire de programme et tout ça. Et le fait que ton personnage en fait soit un militaire, un Marines, tout simplement un Marines, et qui se fait recruter par l'armée, par une armée privée. Et qui se retrouve donc merde, comment on dit, qui se retrouve inapte à combattre en fait, vu qu'il a un bras en moins, je sais plus comment ça, ah, invalide, voilà, vu qu'il se retrouve invalide, du coup il pouvait plus combattre, il pouvait plus servir son pays, et on lui a proposé une prothèse en fait qui va faire le taf. Alors ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que au tout début de l'histoire, la prothèse déconne. J'ai trouvé ça pas mal de faire un truc comme quoi la robotique non plus c'est pas tout n'est pas parfait plutôt. J'ai eu un peu de mal à dire ces mots. Tout n'est pas parfait. Enfin moi vraiment j'ai pas mal apprécié cette campagne. Voilà. Donc je pense que ce gameplay vous l'aurez à la fin de la campagne, juste à la fin de la campagne ou avant la fin de la campagne. Donc ce qui va arriver tout de suite après,
Ça va être une vidéo d'à peu près 15-20 minutes, vous indiquant les 45 emplacements des éléments de renseignement, en fait, pour avoir le trophée, bah, d'avoir tous les éléments de renseignement. Je vous ai fait ça assez court, hein. Malheureusement, bon, il y en a 45, donc ça dure assez longtemps. Mais chaque élément, j'ai pas filmé plus de 20 secondes, enfin j'ai pas filmé plus de 30 secondes quoi, maximum, ouais ça va être ça, ça va être 30 secondes maximum le renseignement. Donc c'est assez rapide, voilà, vous pouvez, enfin vous regardez la vidéo, hop, vous regardez les trois emplacements des premiers, boum, vous mettez pause. Ça vous a pris quoi? Ça vous a pris 1 minute pour regarder les trois renseignements, ça vous prend 10 minutes pour les trouver les trois. Etc. etc. Donc ça va, c'est assez rapide, franchement c'est assez rapide. J'ai pas galéré à les trouver, franchement ils sont pas super bien cachés. Il y en a juste un qui m'a fait vraiment galérer, vous allez le voir de toute façon dans la vidéo. Je vais avoir le trophée des 45 sur 45 avant d'avoir trouvé les 45 sur les 45 quoi. Je vais avoir le trophée des 45 avant la mission finale, tout simplement parce qu'il y en a un, il m'a cassé les couilles. Du coup, je suis passé à la mission suivante. Je n'arrivais pas à le trouver, du coup, je suis passé à la mission suivante. Et puis à la fin, bah, j'ai recherché le dernier renseignement qui me restait, quoi. Donc, du coup, voilà. Ensuite, il y aura certainement un bon gros et gras let's play de Far Cry 4. Pourquoi? Parce que bah, je sais que beaucoup de youtubeurs le font, ce let's play. Moi, ça va être un. Bon, après, j'essaye pas non plus de me départager des autres. Hein. Ça reste le même jeu, donc ça va être à peu près la même histoire. Mais je vais faire ça intégralement, en fait. Je vais faire ça intégralement. Pourquoi? Bah, parce que je trouve ça toujours intéressant de faire ça intégralement. Puis ça va faire une série à la longue, en fait. Ça va faire une récurrence des épisodes. Donc, je sais pas, peut-être je vais en mettre un tous les 2 jours. Ça va faire une récurrence des épisodes, ça va être bien stable normalement. Si je fais ça correctement, vous aurez un épisode tous les 2 jours. Sauf peut-être le dimanche. Peut-être que le dimanche, je le prendrai de repos. Mais voilà, je vais tout faire avec vous. Je vais faire les épisodes de chasse, je vais faire les épisodes de prise de campement, je vais faire les épisodes de tour, je vais faire les épisodes des missions secondaires, des missions principales. Je vais tout faire avec vous, vraiment en intégral complet. Parce que Far Cry 3, j'avais trouvé que c'était un jeu de bien fun. Il pouvait arriver des choses en fait avec la faune que tu ne t'attends pas du tout à ce qui arrive, des trucs comme ça. En plus, là, j'ai vu que tu peux te faire attaquer par des aigles et tout ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant et vraiment très fun en fait à jouer. Donc, c'est pour ça que je vais faire intégral pour passer le plus de temps avec vous et à partager justement ce bon gros gameplay que va être Far Cry. Ça risque d'être super good. Je vais faire des trucs aussi, genre des défis, genre par exemple prendre une base avec seulement le pétard, tel truc, le prendre uniquement au RPG, etc. Après, il y aura des défis, vous pourrez me les donner, hein, par exemple aller chasser le rhinocéros au coup de couteau, tu vois, des conneries comme ça, tu vois, des défis que je vais réaliser avec plaisir. Ça rajoutera toujours du piment à ce jeu, même si je pense qu'il est vraiment très good. Il reste 10 kills avant la fin. Ça va aller très vite. Donc, je vais vous expliquer aussi la deuxième partie. Donc, ça risque d'être un petit peu plus long avant de l'avoir sur ma chaîne, évidemment, parce que bon, le jeu est encore très cher. Mais là, avec l'argent de Noël et tout ça, je vais pouvoir m'acheter normalement les deux. Mais c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout parce que moi je suis très dépensier. Ça veut dire que là je vais avoir mon argent de Noël, tout ça. Je vais aller acheter Far Cry 4. Mais le soir même, je peux aller manger au KFC et prendre un menu pour 12, tu vois. Je suis vraiment très dépensier comme personnage. Mais bon, ce qui va arriver, donc ça va être Halo Master Chief Collection. Merde, c'est le dernier kill. Halo Master Chief Collection. Où je vais réaliser les 4 campagnes, donc la campagne 1, la campagne du 2, la campagne du 3, la campagne du 4, tout ça en HD, en remasterisé, pas en old school, quoi que je pourrais le faire en old school aussi,
Mais je pense pas le faire en old school parce que moi j'ai joué à tous les Halo et revenir sur ces jeux-là, ça va me faire extrêmement plaisir et pour ceux qui aiment Halo, ça va leur faire plaisir aussi. Donc voilà, on est à la fin de ce gameplay, on va se laisser tout de suite. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, de vous abonner. Vu les vidéos qui arrivent, je vous conseille de vous abonner. Et donc on se retrouve très vite, ciao, peace, c'était Kenzo, bye bye.